share a future is my hope. To share a future is my hope. Hand in hand, free from fear. Many get what we have got. We've got much more than we first thought. Richest blessing from above. Richest blessing from above. For you I've searched and... Coucou à tous, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est la vidéo découverte de ma scrap room. Mon mari vient d'effectuer quelques petits travaux à l'intérieur. En fait il m'a rajouté des étagères pour moi pouvoir ranger plus facilement. Mon papa a également participé à l'opération puisqu'il a également réalisé des étagères. Donc si ça résonne un petit peu, en fait, c'est parce que je suis dans le couloir d'accès à ma pièce, donc qui se trouve en sous-sol. C'est pour ça que vous pouvez voir des tuyaux là, juste là. Enfin bref, je vous passe les détails. Donc on va tout de suite entrer dans ma scrap room, ou mon atelier, moi j'appelle ça plutôt, parce que j'y fais un peu du scrap, de la couture, j'y fais plein de choses. Donc je vais tourner la caméra, voilà. Donc c'est mon petit coin de paradis qui se trouve... derrière cette porte. Donc on va rentrer. Donc voilà, on est à l'entrée de ma pièce. Je vais vous faire une vue générale. Donc elle est en forme de L. Quand on rentre, ça se présente comme ceci. Voilà. Et on a un petit morceau ici avec une fenêtre qui est fermée. Le volet est fermé pour l'instant parce que c'est l'hiver. Il fait un peu froid. Donc voilà. Et on a un meuble qui revient ici. Et si je fais demi-tour, voilà, on est à l'entrée de la pièce. Donc, je vais commencer, je pense déjà, dans un premier temps, que cette vidéo sera certainement présentée en au moins deux, voire trois parties, vu la quantité de choses que j'ai à vous montrer. Là, je vous fais un petit 360. Donc là, ça fait partie des étagères que mon mari m'a rajoutées. Là, ce sont des meubles qui ont été faits par mon papa. Pour ranger mes papiers, c'est parfait. Voilà, on a encore une commode ici, en dessous. Il y en a également en dessous du bureau. Voilà, encore un meuble réalisé par mon papa. Étagère, étagère, étagère. Second plan de travail. Donc là, en général, je fais ma couture. Ou alors, quand ma fille vient me rejoindre, elle travaille ici. Voilà, je tourne sur moi-même pour vous montrer en gros... Donc les fameux Rolls de chez Ikea. Merci le suédois. Et ça en fait c'est un ancien vaisselier que j'avais dans ma cuisine et que j'ai réintégré dans cette pièce. Donc on va commencer par le petit coin là-haut et je vais avancer vers la droite. Donc voilà, donc quand on commence ici on a deux boîtes en plastique comme ceci. En fait, ces deux boîtes-là, je les avais achetées chez Noz il y a déjà une paire de temps. Et à l'intérieur, j'y range tous mes rubans. Rubans satin, tout ce qui est en ruban, en rouleau en fait. Voilà, donc il y en a deux boîtes qui sont pleines, bien entendu. Donc là, on a une petite tablette. Ici, ce sont mes livres de coloriage. Là, des carnets que j'ai trouvés chez Noz, qui sont en attente de projet. Hein. Ça fait un bout de temps que je l'ai. Mais... celui-ci, vu la taille qu'il fait, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Là, voilà, des contenants, je ne sais pas quoi en faire de ceux-là, je me les trimballe, j'arrête pas. J'ai des places, je les remets, mais je n'arrive pas à me résigner à les jeter. Ensuite, en dessous, nous avons donc pas mal de petits cartons, en fait. Ici, ce sont toutes mes perles AMA, perles à repasser. Ça, vous connaissez. En dessous, on a... Ça, c'est tout ce qui est accessoires pour mes couronnes, en fait, de Noël. Donc, il y a des rubans dorés, il y a des fleurs, il y a un peu tout ça. Dans le carton du dessous, en fait, c'est toute la déco que j'avais réalisée pour le baptême de mes enfants, que j'ai stocké là. Ici, on a des petites boîtes, du scotch que mon mari a ramené de son travail. Et en dessous, dans ce petit panier en tissu comme ça, en fait, c'est toutes les cartes que j'avais reçues pour le concours. Un concours que j'avais lancé. Un appel aux cartes, en fait. Donc,
elles sont toutes dedans avec les cartes de vœux que j'ai reçues et tout. Je mets tout là. Au départ, je les avais accrochées au mur, mais c'est vrai que ça prenait tellement de place que j'aurais presque pu retapisser toute la pièce. Et je trouvais que ça la rapetissait. Donc comme je suis déjà en sous-sol et que le plafond n'est pas très haut, je me suis dit que j'allais les stocker comme ça. C'était plus pratique. Ensuite, juste à côté, on a une caisse comme ça, en plastique. Donc tout ça, c'est des projets à venir. Avec mon sauf là, c'est encore des contenants de chez Ikea. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des couronnes. Il y a des choses comme ça, en fait, que j'utilisais dans ma cuisine. Et j'ai, en fait, j'ai mis des photos dessus. J'ai mis des photos dessus. Ça, pareil. Je vais m'en servir. C'est comme des planches à découper, mais en déco. J'ai trouvé ça chez Nose. Pareil, je vais faire des photos dessus. Des fioles que j'ai récupérées. Baptême, communion diverse. Des fleurs, enfin bref. Ça, c'est tous les projets à venir, on va dire. Voilà. On va dire dossier en suspens. Ensuite, on arrive juste à côté. Donc là, on a deux tours à tiroir. Sur laquelle j'ai rangé mon grand album 30-30 que je vous avais déjà présenté en vidéo. L'album de mon Sacha, pareil, que je vous avais également présenté en vidéo. Donc, dans cette première colonne. Ça, c'est un peu tout et rien, en fait. C'est un bric-à-brac phénoménal. Il y a des agrafes, une agrafeuse, des lames de coupe. Enfin bref, il y a plein de choses. Des trucs de Madimo, la colle. Truc de colle de chez Stampin' Up qui est vide, mais enfin, bref, voilà. Donc on va dire un tiroir fourre-tout, on en a tous un. Ensuite, on a tout ce qui est alphabet en bois ou déco en bois. Surtout alphabet. Là, pareil, des petites décos que j'ai pas rangées, j'ai un autre système de rangement. Des pinces à linge, donc les alphabets, je vous les présente pas, vous les connaissez, hein, c'est les alphabets de chez Action. Voilà, que j'aime beaucoup utiliser quand je fais du home déco. Ensuite, on a, si j'arrive à l'ouvrir, ça va être compliqué, je pense. On a ISK, encore un alphabet, qui ne tient pas au-dessus, donc je suppose que c'est pour ça que je l'ai mis là. Alors, on a tout ce qui est touch déco, donc pour faire de la déco sur textile, pareil que j'ai trouvé à Nose et que j'ai encore jamais utilisé. Des feutres gel de chez Lidl, je pensais pouvoir les utiliser comme gelato, mais en fin de compte ça fonctionne pas du tout. De la Fimo qui sèche à l'air, je n'ai jamais utilisé. Et de la pâte de la Fimo normale, hein. Pareil, j'ai jamais fait, donc ça un peu le tiroir oublié, on va dire, parce que j'ai jamais utilisé ce qu'il y a dedans. Donc là encore d'autres décos en bois, un plus gros modèle, on va dire. Un peu partout, des pinces avec les jours de la semaine, les grands papillons, l'alphabet en carton. Voilà. C'est un peu mes tiroirs fourre-tout, on va dire là. Là, ce sont la moitié de celui-là, les plaques comme ça avec les alphabets. J'utilise quand même pas mal. Ici, alors là, pareil, on a un peu de tout. Ça, c'est le tiroir de ma fille en général. Il y a plein de découpes, plein de morceaux de papier. Là. Ça, elle aime bien l'utiliser. Donc, on va dire qu'en gros, la colonne violette, c'est un peu la colonne fourre-tout. Malheureusement. Bon, moi, je sais ce qu'il y a dedans. Hein. C'est le principal, c'est moi qui l'utilise. Alors, ensuite, dans la deuxième, on a. J'ai ma Dimo dedans, du fil comme ça, chenille. Un rapporteur pour faire des mandalas, des scratchs que j'ai recyclés. Ça provient d'une commande de chez Emma, que j'ai fait il y a un certain bout de temps. C'est de l'aimant adhésif que j'ai jamais utilisé. Vraiment, j'ai trop de problèmes avec les choses non utilisées. Ma Dimo clac-clac. Donc voilà pour ce tiroir-là. Excusez-moi pour le bruit. Dans le second tiroir, un marteau, pour toujours servir, plein de scratch adhésifs que j'achète chez Lidl, en fait. Ils en ont toujours plusieurs dimensions, en noir ou en blanc en général. Des boîtiers de CD parce que ça peut toujours servir. Ensuite, donc là c'est tout mes masking tape. Le tiroir va bientôt ne plus être assez grand, je pense. Donc je les ai rangés sur un fil par couleur. Voilà,
tout ça, c'est mes masking tape. Alors, je sais pas si vous avez, voilà, la taille du tiroir. Il y en a partout. Ça, c'est un truc, voilà, j'arrive même pas à faire le tri dedans. Ici, pareil, tout ce qui est ruban. Mes rubans dans ce style-là, en fait, que je vous montre un peu, comme les Artemio. Voilà, comme ça. Ruban déjà par collection, on va dire, et par famille. Ruban, twain, tout, voilà, tout est là. Et enfin, dans le dernier, c'est toutes les chutes de ruban. Moi, je récupère tout. Hein. Vous voyez ça, par exemple, c'est... ce qui est accroché aux vêtements, vous savez, qui sert à les faire tenir sur les cintres. Donc moi, je les enlève toujours parce qu'en général, ça dépasse quand on s'habille, c'est très moche. Et je ne me resserre jamais sur les habits. Et du coup, je les récupère. Alors, ensuite, on va passer au coin bureau. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est là où je travaille la plupart du temps. Donc, si on commence sur l'étagère. Dans cette boîte-là, c'est tout ce qui est alphabet. Autocollant, prédécoupé avec la Big Shot, en carton. Voilà, là c'est tout ce qui est alphabet. Ici pareil, c'est un alphabet en mousse. J'ai une petite plaque comme ça aimantée, vous reconnaissez les petites boîtes à épices de chez Ikea où j'ai rangé toutes mes petites décos en métal à l'intérieur que j'utilise le plus souvent. Ici ce sont toutes mes perles de pluie. Donc, j'ai mis dans une boîte de chez Action. Ensuite, dans une autre case, pareil, que j'avais trouvé chez Noz. Pareil, tout ce qui est déco en métal. Donc, fil d'alu, les petites décos que je récupère, vous voyez, des bracelets comme ça. Je récupère tout, moi, c'est mon problème. Vous voyez, c'est des bracelets qui sont cassés. Mais je me dis que des fois, petites décos comme ça peuvent resservir. Donc voilà, donc entre ce qui est sur le mur plus la boîte, ce sont toutes mes décos en métal. Je continue sur l'étagère. Ici, toujours déco en métal. Dans les petites boîtes à thé, toujours de chez Action. Donc j'en ai deux. Donc j'ai tout ce qui est capsule, comme ça que j'avais trouvé chez Action pour les blanches, les gorgeous. Comme ça, toutes les petites décos en métal comme ça, des trombones de taille, de forme différentes. Ensuite, dans la seconde boîte, on a encore des trombones comme ceci, des petites pinces à clip, pareil, en veux-tu, en voilà. Là, ce sont pareil, des grands trombones avec les rubans qui vont avec, trouvés pareil chez Noz. Tous les badges de chez Sandoco Scrap, ce point-là. Là, d'autres badges achetés sur des salons de loisirs créatifs ou alors récupérés ou faits avec la badgite aussi également, comme celui-là par exemple. Et là, pareil, des badges, mais là en gros modèle. Voilà. Donc, voilà pour la déco en métal sur cette étagère. On a ici, là, j'ai un petit carnet comme ceci. Donc, il est commencé, c'est pas fini. C'est un album photo en fait, normalement. Mais moi, je l'utilise en fait, voilà. Ma fille a commencé à le faire. En fait, c'est pour pouvoir gérer tous mes masking tape, si je puis dire. C'est pour savoir ce que j'ai. Donc on va mettre une page par couleur, ma fille en a déjà fait un petit peu, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Comme ça je pourrai savoir, ça m'évite de, quand j'aurai besoin de chercher un masking tape pour un projet, j'irai voir dedans et puis je saurai déjà voilà, à peu près ce que je veux. Ou quand j'ai besoin, quand je vais à un salon ou autre, que je veux pas racheter plusieurs fois le même, bon, sachant que je les achète quasiment tous à Action, donc je ne risque pas d'avoir plusieurs fois le même, je sais ce que j'ai. Ensuite on a... Il va y en avoir des ensuite, hein, pas mal hein, quand même. Donc ce petit tourniquet à tampons, donc ça tout le monde les connaît, mes tampons à molette avec... Donc il faut que j'en achète un deuxième pour pouvoir mettre, voilà, mes pattes de Distress avec. On a une Distress qui traîne là, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Là c'est pareil, des tampons que mon mari avait récupérés.
Ça ressemble un peu à ça, comme des cotons-tiges. C'est très pratique quand on veut faire de la peinture avec des petits détails. Ici, donc le bras pour filmer, mon pistolet chauffant, donc ça c'est très intéressant. Je vais poser la chaise du bureau. On a un petit rangement là. Donc ça c'est un range-couvert trouvé chez Action, où j'ai rangé tous mes pinceaux. Et là, on a un petit meuble que j'ai trouvé en brocante, où je range tous mes crayons. Là, vous voyez, tous les crayons noirs, les crayons à effet, les petits pinceaux. Et on a des petits tiroirs. Donc là, j'ai une recharge de mine pour mon crayon papier. Ici, du blanc correcteur, une gomme. Ça, c'est super pratique pour enlever l'adhésif. J'avais trouvé ça à Noz. Moi, je frotte mes ciseaux avec, parce que des fois, il y a de l'adhésif qui reste dessus et c'est super casse-pied. Ça part super bien. Et là, toutes les petites cales, vous savez qu'on a avec les tableaux et tout. Moi, je m'en sers quand je fais des toiles et que je remets des choses en épaisseur dessus. Ensuite, on passe donc mes plaques pour les tampons, ma fiscale, ce que j'avais trouvé en brocante. Ici, une petite boîte avec toutes mes encres noires. Essentiellement, j'en ai quelques autres, mais on va dire que là c'est toutes les encres diverses. Et j'ai une autre boîte où j'ai que mes distress dedans. J'en ai pas mal, j'avais profité d'une grosse offre sur carte de cœur où on pouvait en avoir je sais plus combien pour une trentaine d'euros, je crois une cinquantaine d'euros, je sais plus combien j'ai eu de pattes, je vous montrerai après. Voilà, donc ça c'est pour la partie qui est en face du bureau, donc là où je travaille. Je recule pour vous montrer. Donc voilà, on vient de faire ce tour là. Voilà, je me suis arrêtée là. Donc je vais redescendre. Là, je m'assois. On a un petit relais tournant comme ça. Donc non, ce n'est pas celui qui était à vendre par un moment sur internet. Celui-ci, c'est mon mari qui me l'a fait. D'après un sous-plat tournant en bois. Il a créé entièrement cette petite chose qui est rudement pratique. Parce que je range tout à l'intérieur en fait. Mes ciseaux, ma colle, mes colles, mes pinces à perforer, mes pinces à épiler. Comme ça, pour les petites choses. Cutter, agrafeuse, Wink of Stella, les petits fils de broderie. Voilà. Ensuite, on a derrière, ici. Ce sont des pochettes à souffler. Alors, attendez. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, il y en a deux. Et en fait, à l'intérieur, je range toutes mes chutes de papier. Hop, j'espère que je ne vais pas vous donner trop mal de mer. Donc je les ai rangées par couleur. Orange, noir, rose, rouge, blanc. Et voilà. Donc dedans, je mets toutes les chutes de papier. Voilà, comme ça quand j'ai besoin d'un morceau, je vais piocher dans la pochette avec la couleur qu'il me faut et je suis tranquille. Voilà, à boboire, téléphone. Donc là, on a 1, 2, 3 petits paniers. C'est mon album de Noël qui est en cours. Il y a du boulot. Il est commencé mais loin d'être fini. Ici, pareil, projet en cours, le défi mini-album sur le site de Saga Postcrap proposé par Lidl. Donc en préparation, ici les photos, les tampons. Voilà, affaire à suivre. Donc je repars sur la droite. Donc sur la droite, je vais me reculer. Là, on a les meubles qui ont été réalisés par mon papa. Donc, ils sont très grands, hein, ils sont posés sur le bureau. Voilà. Donc, j'ai dessus. J'ai rangé, j'ai fait des étiquettes en fait pour les couleurs des papiers. Voilà. Chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Enfin, bref. C'est rangé par couleur. Les bleus, les verts, les verts d'eau, vert turquoise. Orange, voilà, donc il y en a 4. Chacun a son petit tiroir. Dans celui-ci, c'est tout ce qui est transfert
autocollants. Non, ça c'est pas les transferts, c'est les stickers, pardon. Je raconte des bêtises. Les transferts sont là. Les divers papiers imprimés. Et là, en fait, il y en a trois. Donc ça, c'est moi qui les ai rajoutés. Les cardstock dans les blancs beige. Les cardstock de couleur. Et les matières. Donc, le liège, le lin, le papier pailleté et tout ça. Voilà pour la partie du meuble là. Dans cette caisse rose là, ce sont tous mes blocs en 15-15. Avec au fond les blocs de chez Action. Voilà. Mon classico. Donc voilà la fameuse boîte avec toutes mes distresses. Vous voyez, il y en a pas mal. Il y en a 4 étages comme ça. Donc ça fait quoi? 2, 4, 6, 7, ouais. 7 et 8. Et ici, pareil, petite astuce. C'est une petite pochette de rangement pour les cartes de visite. Et en fait, j'ai tamponné dessus. Avec la couleur de distress, j'ai marqué la couleur. Et en fait, derrière chaque, je range la petite mousse qui s'adapte là-dessus. Et qui va avec la couleur. Comme ça, au moins, elles ne sont pas mélangées. Comme j'ai pas suffisamment de petits tampons, là, j'ai plus d'embout que de manches, on va dire. C'est plus simple et au moins, tout n'est pas mélangé. Donc, voilà. Ça reste toujours ensemble comme ça. Je n'ai pas, quand je cherche une couleur, pareil, même principe que pour les masking tape, je vais dans mon petit classeur, je cherche la couleur que je veux et puis hop, c'est parti. Comme j'ai mis des étiquettes à la Dimo sur mes pads, j'ai juste à chercher la couleur que je veux. Ensuite, on a mes pistolets à colle. Ici, au fond, c'est une boîte avec les œillets, la crocodile. Ici, tout ce qui est attache parisienne. Je vous ouvre pas les boîtes, hein. Vous savez ce que c'est que des attaches parisiennes, je pense. Là, c'est ma boîte d'embossage. Avec toutes les poudres. Et en dessous, la boîte avec tous mes boutons. Alors ça, pareil, je suis accro aux boutons. J'en achète plein. J'aime bien en mettre sur mes créas. Donc, on passe au casier d'à côté. À côté, on a toutes les cartes de Project Life. Donc, les petits modèles. J'ai fait des petites intercalaires comme ça en carton. Comme ça, elles sont rangées par collection. Je ne suis pas très douée pour filmer avec une caméra à la main. Comme ça, quand je cherche une collection précise, elles sont là. Donc, les petits modèles. Derrière, c'est une boîte de chez Stampin' Up. Ici, les grands modèles, grands ou petits, hein. Des fois il y en a qui sont mélangés parce que j'ai pas plus de place et j'ai pas envie de racheter, en fait ça me plaît comme ça. Ça je vous l'avais montré dans une de mes dernières vidéos, de déco, carte Project Life en transparent que j'avais acheté, sur je sais plus quel site mais j'ai dû vous la montrer en vidéo. La petite boîte là, en fait en général elle est reliée à la boîte d'en dessous, où j'ai rangé tous mes die cuts. Donc dans les petites pochettes comme ça de chez Action Transparente, en général je les ouvre et je remets tout dedans par collection. Comme ça quand je fais un projet, je l'ouvre et je mets ça dans la boîte. Et ça évite que j'en ai partout et d'en perdre. Donc pour l'instant je n'ai pas de projet. Mais en fait quand elle n'est pas utilisée, je mets dedans mes derniers achats tampons. Le temps que je fasse les pochettes adéquates pour pouvoir les ranger dans le Rolls. À tampons. En dessous, tous mes scotchs. De masquage, double face, scotch divers et variés. Dans cette petite boîte, il y a ma fuse. Voilà. Un petit poil dans une petite boîte comme ça. Ici, tous les embellissements, pareil, chipboard, mais cartonnés bruts. Que je range là. Là, on a les papiers canson, des blocs aquarelles comme ça de chez Action. Mes papiers de chez Gorgeous. Le papier au kilo, pareil, de chez Action. Le papier à gratter Color Magic de chez Action. Le petit truc déco 3D comme ça, toujours de chez Action. Et mes papiers Clairefontaine, mes DCP, en différents grammages.
Ensuite, en dessous, donc ça c'est un petit meuble, vous savez, c'est un plateau, un truc pour me poser une télé, un truc tournant que j'ai récupéré. Pareil, ça me permet de pouvoir remettre plus de choses. Ici, j'ai une petite boîte avec toutes plein de découpes de Big Shot que j'ai reçues ou que j'ai découpées, que j'ai pas utilisées et que je range dedans. Donc quand j'ai besoin de quelque chose, je fouille. À côté, j'ai tout ce qui est les paillons carton. Comme ça. J'ai au fond, oh, je suis en train de déballer les mouchoirs, c'est intéressant ce que je fais. Une autre boîte où ce sont tous les nœuds en tissu de chez Docraft pour la plupart. Hop, je vais remettre au fur et à mesure. Elle est belle ma boîte de mouchoirs, vous allez être contente de la voir. Lidl. Et à côté, coucou, ce sont tous mes tampons Gorgeous, les grands et les mini. Voilà, il y en a une boîte au fond, plus tous ceux de devant, je ne vous déballe pas tout, hein, j'ai une collection énorme. Qui sait que je n'aime pas les Gorgeous, je déteste ça. Je n'ai pas du tout de sac à main de Gorgeous, je ne suis pas du tout fan. Je n'ai pas de puzzle, je n'ai pas de déco, je n'aime pas ça. Enfin bref, voilà, donc les règles, lingette, mouchoir. Lingette nettoyante. Ma dernière acquisition, les enamel accent, qui sont pas encore rangés puisqu'ils attendent une petite feuille de Bristol d'être testée et approuvée. Il faut que je le fasse. Ça, c'est encore pas fait. On va passer à la petite commode là. Donc dans cette commode, il y a mon ATG et tous mes tampons bois sont là. J'en ai pas autant que ça parce que j'aime bien les tampons bois, mais je préfère quand même les clear, qui sont plus faciles à manier et que j'arrive plus facilement à tamponner. Donc en général, je tape jamais dans des gros gros tampons bois parce que j'ai toujours du mal à avoir une super belle, super beau tamponnage. Bon, en même temps, j'ai pas testé le tapis de souris. Pourtant, je connais cette astuce, mais je l'ai encore pas testé. Alors, petit torchon pour s'essuyer. Ça, ça va avec ceci. La punch board pour faire les enveloppes et autres beaux boîtes. Donc je me suis amusée à en faire en fait quelques-unes dans un papier X avec les mesures. Comme ça, le jour où j'ai besoin d'une enveloppe où je cherche une carte avec une taille précise, voilà, les mesures sont dessus. Je sais déjà à combien je dois couper mon papier, de quelle taille sera ma carte. Voilà, je trouve ça, c'est un petit pense-bête on va dire, à transporter. Dans le deuxième tiroir, c'est tout ce qui est donc tampon mousse, comme ceci. J'en ai encore là. Donc là, de chez Aladdin. D'autres petits mots comme ça. J'ai un album photo avec, pareil, plein de découpes de Big Shot ou de portraits, de silhouettes qu'on m'a envoyé, que j'ai rangé là. Et il y en a un second là, où là, ce sont, pareil, tous les tamponnages que l'on a pu m'envoyer. Oh, je tombe sur des Gorgeous, comme c'est étrange. C'est bizarre parce que j'ai adoré les magnolias, ça m'a passé. Mais les Gorgeous, j'y arrive pas. Et pourtant, je les utilise très peu. Donc voilà. Hop. Ensuite, là, c'est le tiroir à peinture, aquarelle, petit moule en silicone où la plupart du temps j'utilise pour mettre mes peintures et autres. Donc la peinture, aquarelle, pareil ici, aquarelle, là, le crayon, de l'essence de térébenthine, j'ai encore de la pâte qui sèche à l'air, là. Et là, ce sont tous mes pochoirs, action et autres, là, tous mes pochoirs sont rangés ici. Et dans le dernier, qui a bien du mal à fermer, c'est tout mon bric-à-brac, donc c'est tous les emballages que je garde. Quand je fais des ventes ou des échanges, c'est quand même bien pratique pour pouvoir les remettre dedans. Ça, c'est ce qui est vendu chez Action, donc c'est là-dedans que je range tous mes cuts. Et là, je vous montre, mais je vous ferai une vidéo exprès dessus, mon répertoire, mon planeur, que je ne vais encore pas utiliser pour l'instant. J'en ai un autre en cours, donc on verra ça pour l'année prochaine. Voilà, pour cette partie-là, on va passer en dessous du bureau. Alors là, je ne garantis pas la luminosité. On va le faire vite. Dans ce sac là, tout ce qui est déco forêt, mousse, bois, rondin, etc. Là, ma réserve de fourniture,
donc tout ce qui est colle, j'ai des fleurs aussi en double, du scotch, enfin bref. Pareil, petite création achetée chez Nose, des Style Me Up, il y a du plastique dingue et on a des pendentifs. Vous voyez, c'est ouvert, ajouré comme ça et c'est à broder. Pareil, je pensais les incruster dans un projet. Qu'est-ce que j'ai? Du bric-à-brac. Mes feuilles plastiques intercalaires. Ça, pareil, c'est des petites découpes pour quand je fais des trucs 3D là-dedans. Et ça, des décos diverses, pareil, que j'arrive pas à me séparer mais que j'utiliserai pas. Et encore un classeur à souffler où pareil je range mes chutes de papier, mais là les plus grands modèles en fait. Et juste à côté on a les deux grosses boîtes à patouilles. C'est là-dedans que je fais mes peintures et tout ça, mes pchites en général. Voilà. Au fond, là-haut, on a des vieux livres. La boîte de ma cinch. Des calendriers. Et caché ici, ce sont toutes mes fleurs. Pardon, voilà, donc dans une caisse comme ça, elles sont en vrac, les dernières de chaque, elles sont en vrac dedans, mais j'aime bien, je brasse et je trouve toujours ma vie. Ça c'est les dernières de chaque action, vous avez déjà vu en vidéo je pense, elles sont fort belles, voilà, tout ça est rangé en dessous, donc on a déjà fait bon, au moins la moitié de la pièce quand même. Hein. Je vous refais une petite vue d'ensemble. On rentre par là, toc, et la plupart du temps, moi, je travaille ici. Je filme comme ça, voilà. Donc, pas trop besoin de m'agiter. Tout se trouve, la plupart du temps, bien autour de moi. On va passer au coin couture. Bah, on va passer déjà au coin Big Shot et Cinch. Je vais vous présenter mes... Vous présenter... Bonjour, enchantée, je vous présente mes dyes. Je vais vous montrer mes dyes. Le coin couture, les rolls, et on finira je pense avec le grand vaisselier qui est derrière moi. Voilà, donc je vous laisse là pour cette première partie de vidéo et je vous dis à très très vite pour la suite de la visite de mon petit coin de paradis.